Espagnols, c'est des merguez. Et les Espagnols, c'est des merguez. Jean-Michel Aulas, aux grosses rascasses, on va la gagner chez toi. C'est quoi déjà la chanson? Jean-Michel Aulas, ils disent pas aux grosses rascasses. Ils disent des grossièretés à Marseille. Vous savez, à Marseille, ils insultent beaucoup, mais ça reste toujours bon enfant. Et dans le respect de la personne, bien évidemment, Marseille, on embrasse tous les supporters marseillais qui ont soit fait le déplacement donc chez Jean-Michel Aulas à Lyon pour le match de la finale de l'Europa League, donc ce soir. On embrasse aussi les Marseillais qui ne se sont pas déplacés, qui font la fête sur le Vieux-Port. On embrasse tous les Français qui soutiennent ou non Marseille. Et on embrasse, bien sûr, tous les Wonners. Je vous embrasse, les Wonners. J'ai mis mes lunettes pour éviter de me fracturer la rétine avec cette coupe que nous allons peut-être gagner. Voyez-vous, il risque d'y avoir le feu dans le stade à Lyon ce soir, je pense. Une compète spéciale foot ce soir, du coup. Je vais essayer d'être la plus claire possible puisqu'il y a 1000 euros à gagner et je veux que vous soyez le plus nombreux possible. Si c'est possible, 10, hein, ce serait bien, à vous partager cette magnifique cagnotte. Je vous rappelle donc que les 10 plus rapides à faire, hein, sans faute, se partageront la cagnotte et donc chacun 100 euros. Voilà pour la somme à gagner. On part tout de suite sur la question numéro 1. C'est parti, mon kiki, combien de finales de Coupe des Clubs des Champions ou de Ligue des Champions ont été disputées par le stade de Reims? Est-ce qu'il y en a eu 2? Est-ce qu'il y en a eu 3? Est-ce qu'il n'y en a eu qu'une? Ou est-ce qu'il y en a eu 4? On sait donc qu'il y en a eu au moins une, hein, une finale en 1956. Et la bonne réponse était la réponse A, 2 finales, du coup, une en 56, une en 59. Et à chaque fois, le Stade de Reims a perdu contre le Real de Madrid. Alors aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu absurde, parce qu'effectivement, hein, le Stade de Reims, si tu veux, le Real de Madrid. Le Real de Madrid, il est dans les étoiles, si tu veux. Hein. L'étoile olympique, là, le Real de Madrid, c'est carrément, c'est la Voie lactée, hein, si tu veux, le Real de Madrid. Bon, donc voilà, le Stade de Reims, en tout cas, dans les années 50, il faisait frotti-frotta avec le Real de Madrid. C'est quand même des belles performances, tout ça. Hein. La réponse, donc, à 47%, vous l'aviez trouvée. 25% d'entre vous répondaient 3, 22%. 1 et 1 et 6%, 4, et c'est Emira, salut Emira, qui est la plus rapide sur cette première question pour cette spéciale foot. C'est parti pour la question 2 d'Éco Possible. En 1976, sur quel score perd l'AS Saint-Étienne contre le Bayern de Munich? Est-ce qu'ils perdent 2-1? Est-ce qu'ils perdent 2-0? Est-ce qu'ils perdent 1-0? Ou est-ce qu'ils perdent 3-1? L'AS Saint-Etienne contre le Bayern de Munich. Et la bonne réponse, c'est 1-0. Et il paraît que l'AS Saint-Etienne, normalement, aurait dû gagner contre le Bayern de Munich. Parce qu'il me semble, hein, si mes infos sont bonnes, hein, qu'il y aurait eu deux tentatives de but de l'AS Saint-Etienne. Et qu'apparemment, comme les cages, au lieu d'avoir les angles ronds, étaient carrés, eh bien, le but n'est pas passé. Alors que scientifiquement, logiquement, si l'angle avait été rond, enfin, c'était comme ça, tu vois. Et bien, ça serait passé et l'AS Saint-Etienne aurait gagné contre le Bayern. On a les stats qui vont s'afficher. Je remets mes lunettes pour éviter de me fracturer la rétine, comme je vous l'ai dit. 37% donc d'entre vous aviez la bonne réponse. C'est Marc qui est le plus rapide. Je vous rappelle une petite règle donc pour ce spécial foot. On a fait une petite dédicace aux Bouches-du-Rhône et donc il n'y aura donc pas 9 questions dans ce quiz, mais bien 13, voilà, comme les Bouches-du-Rhône. Toutes les immatriculations 13, on les connaît à Marseille. Hein, faut pas trop les chauffer parce que ça part assez vite en bibrine. Hein, je le sais, moi je suis de Marseille, donc voilà, je vous le dis. C'est pour ça, hein, on a sorti le maillot, les copains, vous savez, regardez. Oh là 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 là. Allez, question 3. En 1978, quel club français dispute la finale de la Coupe UEFA? Est-ce que c'est le SC Bastia? Est-ce que c'est l'OM? Est-ce que c'est l'Olympique Lyonnais? Ou est-ce que c'est la SSE? La finale de la Coupe UEFA en 1978, on cherche le club français qui a disputé cette finale. Et c'est le SC Bastia. Et Bastia a perdu, donc les Corses ont perdu contre un club néerlandais, le PSV Eindhoven, 0-0 pour le match aller et 0-3 pour le match retour, donc pour
Eindhoven. Et le SC Bastia, eh bien, est resté sur la touche, mais c'est pas grave. Il a dû probablement manger un peu de Copa et ça l'a remis, et une bonne Corona, et ça remet tout de suite d'aplomb, on le sait. Vive la Corse ! 66% d'entre vous répondiez le SC Bastia. Ce sont de beaux scores, je trouve, hein, pour cette question 3. C'est Salomon. Salut Salomon, comment vas-tu Salomon ? Ravi de t'avoir parmi nous, Salomon, qui est le plus rapide sur cette question 3. Salomon, tu es premier sur cette question avec 90 points. On a toujours 63 winners en lice pour la cagnotte à 1000 euros sur cette spéciale foot. Et à la question 3, je vous le donne dans le mille, c'est Fred 0,95 qui est en tête de la compète avec un score de 220. Bravo Fred. On continue, question 4. Combien de finales européennes ont été disputées par des clubs français entre 1980 et 1989? 0, 1, 2 ou 3. Nous cherchons le nombre de finales européennes disputées par les clubs français entre 80 et 89. Donc dans les années 80, paf, elle est bonne celle-là. 0, c'était la bonne réponse. Donc aucune finale disputée par les clubs français pendant ces années-là. Qu'est-ce qu'on me dit ? Coupe des clubs des champions. Ah oui, la coupe des clubs champions, en fait, c'est la Ligue Europa. Hein. C'est la Ligue des champions. Donc il y a la Ligue des champions et un peu moins bien, mais coupe quand même. Il y a la Ligue Europa, la Ligue, je crois, UEFA. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Hein. C'est ce pourquoi l'OM, là, va jouer dans pas longtemps contre l'Atlético Madrid, le club de Antoine Griezmann d'ailleurs. J'aime beaucoup Antoine Griezmann, mais bon, je ne serai pas pour l'Atlético ce soir. D'ailleurs, ce soir, je suis chez Bizouane, donc en fait, ce soir, clairement, je ne soutiens personne en vérité. 44% d'entre vous aviez la bonne réponse. On a quand même 27% de winners qui répondent deux finales européennes entre... Elle n'est pas facile cette question, hein. Cari, tu es la plus rapide. Donc sur cette question 4, on a Lionel avec 330 points qui prend la tête de la compète. Du coup, 46 winners, toujours en lice pour les 1000 euros. Je vous rappelle qu'il y a 13 questions dans ce quiz spécial foot et que les 10 plus rapides à faire un sans faute auront chacun 100 euros ce soir. Question 5, combien de finales européennes ont été disputées par des clubs français, cette fois attention, entre 90 et 99? Est-ce qu'il y en a eu 5? Est-ce qu'il y en a eu 2? Est-ce qu'il y en a eu 3? Ou est-ce qu'il y en a eu 7? Alors là, attention, on cherchait les années 80 tout à l'heure. Là, on cherche les années 90. Donc pour cette question 5, il y a eu 7 finales disputées. Il y a eu 2 victoires, donc une de Marseille en 93 de la Ligue des Champions. Et il y a eu le PSG en 96 qui a gagné la Coupe des Coupes. Voilà. Et sinon, il y a eu Monaco, il y a eu Bordeaux en finale et il y a eu également l'OM en 99 qui est revenu. J'espère que mes infos sont bonnes. Parce que je lis vraiment là sans comprendre. Je l'admets, je pense que je suis beaucoup moins calée en foot que vous qui êtes en train de jouer chez vous. La bonne réponse, donc, du coup, c'était 7 et on n'a que 5% de winners qui avaient la bonne réponse. 40% d'entre vous répondu 3. J'espère que ça ne vous a pas induit en erreur, qu'on colle les deux questions. Mais bon, c'est toujours un petit peu plus difficile, vous savez, sur Bizouane, surtout quand les cagnottes sont plus élevées. Nicolas, tu es le plus rapide. Donc sur cette question 5, on a YDM qui prend la tête donc, de la compète avec 400 points. Et on a donc toujours, vous êtes toujours 714 joueurs connectés, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, j'embrasse les 13% de sudistes qui jouent avec nous ce soir. Question 6. En 91, l'OM perd en finale au tir au but contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais sur quel score? Sur un 2-1, sur un 1-0, sur un match nul 0-0 ou sur un 3-1? La question 6, donc une défaite de l'OM donc contre Belgrade. Et oui, la bonne réponse, c'est 0-0, donc match nul. Défaite, on me dit 5-3 tir au but. Et oui, tir au but 0-0 après prolongation. Je ne comprends rien à cette info. Pour moi, c'est du chinois. J'espère que chez vous, vous avez compris ou alors que vous aviez la bonne réponse et que du coup, vous connaissiez mieux l'info avant que je la lise moi-même sans la comprendre. Est-ce que tu l'as compris celle-là? Moi-même, je ne la connais pas. Je me suis fait une fracture du cervelet. Allez, 55% d'entre vous quand même aviez la bonne réponse. Bon, vous y connaissiez mieux que moi. C'est-à-dire que, bon, je porte l'étoile, hein.
Mais tu l'as bien compris, le foot, c'est pas mon dada. Moi, je préfère le patinage artistique, hein, clairement. Cari-cari, tu es la plus ou le plus rapide. Donc, sur cette question, c'est Xav premier qui prend la tête de la compète avec 370 points. Est-ce qu'on peut passer à la question 7? Je vous rappelle qu'il y a 13 questions dans ce quiz. Hein. Question 7, c'est parti. En 92, face à quelle équipe s'incline l'AS Monaco en finale de la Coupe des Coupes? Est-ce que c'est contre Werder Bremen, contre le Bayern de Munich, contre le FC Barcelone ou contre le FC Porto? Donc, que s'incline l'AS Monaco. Et d'ailleurs, la Coupe des Coupes, moi, je suis allée sur la page Wikipédia, j'ai tapé Coupe des Coupes, j'ai dit, c'est quoi cette coupe, c'est quoi cette compète et tout. La bonne réponse, c'était Werder Bremen. Et bien, figurez-vous que sur la page Wikipédia de la Coupe des Coupes, ils en parlent au passé, tu vois. C'est-à-dire que c'est, en anglais, au prétérit, hein, si tu veux. C'est-à-dire que cette coupe n'existe plus. Ils l'ont remplacée par la Ligue des Champions, plus ou moins. Enfin, voilà, un délire comme ça, si tu veux. Avant, il y avait tellement de compètes, ils sont divinés en. On réunit tout en une compète, on fera plus d'argent. T'inquiète, ils sont malins, l'UEFA. Mais oui, Werder Bremen, 45% d'entre vous l'aviez la bonne réponse. C'est Emira qui est la plus rapide, donc sur la question 7. Et c'est Ronalbert qui prend la tête de la compète. On a 19 bacs inutilisés à cette question 7. On continue tout de suite avec la question 8, sans plus attendre. Je l'attends tout le temps. Question 8. En 93, l'OM gagne la finale de la Ligue des Champions grâce à un but de qui? De Basile Boli, de Jean-Pierre Papin, de Chris Waddle, de Enzo Francescoli. J'espère que je le dis bien. Bon, celle-là, je la connais, hein. Ben oui, mais je pense que vous allez être beaucoup à répondre juste à cette question. Basile Boli, donc en 93, qui offre la victoire de l'OM, donc sur cette Ligue des Champions. Je crois que c'est le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions, il me semble, l'OM. Et je peux vous dire qu'ils en sont fiers. Et oui, monsieur, je peux vous dire, à Marseille, tu rentres pas dans un café, dans un commerce, en quoi que ce soit, sans qu'il y ait l'étoile, sans qu'il y ait un drapeau de l'OM. Là-bas, c'est, il n'y a pas, moi, je suis plus tennis, moi, je suis plus rugby. Non, c'est l'OM là-bas. Basile Boli, 87% d'entre vous répondiez Basile Boli. Évidemment, je vous avais dit, hein, là, les stats, elles allaient être bonnes. On a Wilson qui est le plus rapide, donc sur cette question 8. Qui est en tête de la compète? C'est toujours Ronalbert avec sa petite tortue en avatar qui est en tête de la compète. Et donc j'ai les stats qui se sont affichées. On avait donc Wilson avec 360 points qui était le plus rapide sur cette question 8. On passe à la question 9, les amis. En 96, le PSG gagne quelle coupe d'Europe? La coupe Intertoto, la coupe des coupes, la coupe UEFA ou la Ligue des Champions? En 96, le PSG, il a gagné. Et bien, ça a dû leur faire du bien au PSG. La Coupe des Coupes, c'était la bonne réponse. Donc, c'est la compète, hein, qui n'existe plus. Donc, finalement, on peut se dire que si cette compète n'existe plus, hein, que finalement, ils n'ont jamais gagné. On peut le dire ou pas? Non, je rigole. Je rigole, les Parisiens. Franchement, les Parisiens, bravo. La Coupe des Coupes, c'est quand même pas mal, tu vois. C'est pas la Ligue des Champions, hein. Et bon. À un moment donné, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait, si tu veux? Voilà. Soit t'es merguez, soit t'es pas merguez. Soit tu sais faire des barbecues, soit tu sais pas les faire. Voilà. Coupe des coupes, 79% d'entre vous aviez la bonne réponse. Donc 10% d'entre vous répondez la coupe UEFA. C'est Cari-Cari qui est le plus rapide. Donc sur cette question 9, c'est toujours Ronalbert qui est en tête de la compète avec 530 points. Je pense que Ronalbert, ce soir, les 100 euros, il y en a pour toi. Question 10. Il reste 3 questions avant la fin de la compète. Question 10, en 96. Combien de clubs français dispute une finale de la Coupe d'Europe? 0 club français, 3 clubs français, 1 club français ou 2 clubs français? Combien de clubs français donc se disputent une finale de la Coupe d'Europe? Alors, vous l'aviez? 2, la bonne réponse, c'était donc la réponse D. 2, combien de clubs français? 2, moi, je suis un petit peu, je vais vous dire, je ne comprends rien. C'est-à-dire que là, je ne sais même plus. Le PSG, pas le PSG. Bon, bah, c'est le PSG, ouais. En Coupe des Coupes, victoire. Et Bordeaux, en Coupe de l'UEFA, qui par contre, bah, à l'inverse du PSG, a connu une défaite, les Girondins de Bordeaux. Donc, on a les stats qui s'affichent sur la question 10. C'est Wilson qui est le plus rapide. 52% d'entre vous aviez la bonne réponse. 32% répondaient
1. Alors, je sais qu'il y a énormément de joueurs qui sont de Paris, hein, d'Île-de-France. Il y a 35% de winners qui sont d'Île-de-France, là, sur ce quiz actuellement. Donc, je pense que vous avez été beaucoup à, vous êtes beaucoup à savoir que le PSG a remporté une victoire européenne. Donc, ces stats sont assez logiques, finalement. Question 11, c'est parti. En 99, l'OM s'incline en finale de la Coupe UEFA contre qui ? Contre le Parme FC, contre Bologne Football Club, contre la Juventus ou contre le Milan AC. L'OM s'incline donc en finale de la Coupe UEFA. On espère que s'inclinera pas ce soir contre les Espagnols, en tout cas. Et la bonne réponse, c'était Parme FC. Donc, la réponse A sur cette question 11, donc une défaite de Marseille contre Parme, 3-0 pour Parme. Et c'était donc en 99, juste avant le bug de l'an 2000. Un bug qui n'a pas eu lieu, ce bug. Tout le monde nous en a parlé, on n'a pas compris. Les mecs, ils ont payé des disques durs, des pare-feux et tout. Ils se sont fait comme ça. Allez, bim. Est-ce qu'on a les stats qui s'affichent, mes amis? Oui, je pense qu'on a les stats qui vont s'afficher incessamment sous peu. 65% d'entre vous avaient répondu Parme FC. Oui, c'est bien ça, ça y est, je les ai dans mon petit retour. 65%, je pense que vous aussi, chez vous, vous aviez les stats qui s'affichent. 15% la Juventus, 14% répondent le Milan AC, et 7% Bologne Football... C'est pas facile à dire celui-là, hein. Bologne Football Club, yes, on l'a. C'est Cari avec 300 points qui est le plus rapide sur cette question. Et on a toujours 19 baki inutilisés. La plus belle remontée sur ce quiz, je vais vous la donner, c'est Raphaël. Raphaël, il a fait une remontada, exactement comme l'OM dans l'Europa League. Question 12 et avant-dernière question. L'AS Monaco atteint la finale de la Ligue des Champions en quelle année? En 2003, en 2004, en 2005 ou en 2002? L'AS Monaco donc, qui a atteint la finale de la Ligue des Champions. Comme je vous le disais, je pense qu'il n'y a que l'OM hein, qui a gagné cette fameuse Ligue des Champions, un peu le Graal. Hein, quoi. Et l'AS Monaco, en 2004, ils ont atteint la finale, mais ils n'ont pas gagné. Et question 12, et alors apparemment, on ne me donne pas le club contre qui ils étaient, mais ils ont perdu, comme Marseille, donc en 99, ils ont perdu 3-0. Si vous savez contre qui, eh bien écoutez, vous avez qu'à nous envoyer un tweet. Voilà, tout simplement. On a Quentin qui est le plus rapide sur cette question 12, hein, avant-dernière question, Quentin, avec 320 points, 62% d'entre vous répondiez 2004, 17% 2003, 2005 à 9% et 2002 à 12%. Et nous arrivons, mes amis, à la question 13, comme les bouches du Rhône, à la question 13, est-ce qu'elle va vous porter malheur, est-ce qu'elle va vous porter chance, la question 13. L'OM atteint sa dernière finale européenne en 2004, contre quelle équipe? Contre Valence Football Club, contre Betis Séville, contre Deportivo La Corogne ou contre Real Saragosse? Celle-là, elle n'est pas facile. Et vous savez, hein, sur les dernières questions, il est fort probable de perdre des winners. Vous n'étiez plus beaucoup à être en lice pour gagner les 1000 euros ce soir. Valence Football Club, c'était la bonne réponse. Donc la réponse A, défaite 2-0, défaite de Valence. Je ne sais pas... Bah si, une défaite de Valence contre l'OM. Tu vois, je ne suis même plus capable de lire les questions. Je suis complètement paumée. Je vais remettre mes lunettes jaunes, hein, parce que vraiment, là, ça me fait du bien, les copains. Est-ce qu'on a les stats qui s'affichent? Non, nous n'avons pas encore les stats. Écoutez, les amis, je crois... Alors, est-ce qu'on va avoir des joueurs qui jouent? Mais oui. Oui, me dit-on. Oui, dans l'oreillette, dis-moi, est-ce que c'est bon? Alors, on se demande si vous avez pu jouer sur cette question 13. En tout cas, la question 13, elle nous a porté malheur. La question 13, donc, Valence Football Club, c'était donc la bonne réponse, je vous le disais. Je ne sais pas si du coup, je vous ai peut-être donné la réponse. Bah ouais, sympa, sur une dernière question comme ça. On adore, ouais, c'est pour nous, sur Be The One. Cari-cari et ri à la fin, c'est ça le blaze. 360 points, tu es le plus rapide, donc sur cette dernière question. Mais malheureusement,
tous les winners ce soir. Les 700, vous étiez plus de 700 joueurs, je ne sais plus exactement combien. Les 700 joueurs ont fait une faute ce soir. Et du coup, nous n'avons aucun gagnant sur cette compète spéciale foot. Cela dit, j'ai le classement final qui s'affiche. C'est Benji avec 2200. Attends, parce que la télé est trop loin pour moi. 2280 points. Benji, tu es donc le premier du classement. Deuxième sur le podium, Jérôme avec 2250 points. Troisième, Nen avec 2150 points. Mais aucun Winners ne remporte d'argent ce soir. On remettra probablement... Oui. Dites-moi tout. Parlez-moi. Est-ce que tu me parles à moi ? Encore une bougie de soufflé. Encore une bougie de soufflé. Encore une année. Oh mon Dieu, je marche sur ton voile d'amour. Tu t'y attendais pas, celle-là. Eh ben ouais, ma couille. Nous te souhaitons un bon anniversaire. Alléluia. Et les Espagnols, c'est des merguez. Les amis, personne n'a gagné pour ce quiz spécial foot, mais on va essayer de vous appeler. Et pour tous les autres winners, j'ai 27 ans ce soir, les amis. 27 ans et toutes mes dents. Et je vais manger du bon gâteau. Ah oui. Bien sûr, 27 ans. 27 ans, mes amis. Comme vous avez pu le voir, on avait concocté justement en musique, hein, c'est encore mieux, les meilleurs moments. Exactement. Sur Facebook. Voilà. Et on peut se retrouver pour retenter. Comment se faire perforer le cerveau ? Oui, avoir Stella qui s'invite sur mon plateau. Les amis, on peut se retrouver à 20h55 pour le quiz Culture G qui était prévu initialement. Salut Benji, ça va Benji ? Benji vient d'atterrir ici, là. J'entends pas Benji, les copains. Benji, je ne t'entends pas. Oh. Oh. On entend pas. C'est bon Benji, je t'entends. Tu vas bien ? Joyeux anniversaire. Merci Benjamin, ça fait plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Bon, t'es premier du classement Benji, mais elles étaient dures les questions. Hein. Ouais, bah on a glissé sur le nombre de finales entre 90 et 2000. Eh ouais, non mais là il y avait années 80, années 90, c'était vraiment, on testait vos connaissances footballistiques, mais il fallait vraiment être très très bon, hein. C'était très pointu. On n'a pas vraiment de chance en tout cas. Hein. C'est très très dur. On espère qu'il portera plus chance au match de ce soir. Bah ouais, j'espère que mon anniversaire portera chance à l'OM. T'es pour l'OM, Benji ? Joker. Bon, écoute, en tout cas, tu vas peut-être regarder le match, que tu sois pour l'OM ou que tu préfères que les Espagnols gagnent, parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Hein, on est un peu mauvais dans le foot, des fois, hein, faut bien l'avouer. Ben, en tout cas, on te souhaite une très bonne soirée. On te retrouve à 20h55, juste avant peut-être le match, pour la compète Culture G. T'auras peut-être plus de chances de gagner. On te laisse un morceau de gâteau, ok ? Je pense qu'il y en a beaucoup, oui. Et moi, j'ai un cadeau pour toi. Salut Benji, à plus tard Benji. Bon, je vous retrouve à 20h55 tout à l'heure, les amis, pour le quiz culture général. Est-ce qu'on ouvre le cadeau Oui. Je crois que ça s'appelle le mot de la fin. J'adore les bovins. Je vous dis à tout à l'heure, les amis, pour le quiz culture G. Je vous embrasse fort. Salut les winners.